Les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau lundi, jour de lune, jour où on, jour de la féminité, de la fécondité, et le jour où les femmes, où l'esprit féminin doit se relier au monde de l'au-delà pour bénéficier de plein de choses extraordinaires. Je vérifie un petit peu ma caméra, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Vérifiez. Ben, j'ai beaucoup de retours de nos amis qui disent Christine, Chris, on a été désabonnés. Voilà. Donc, vérifiez vos abonnements, les amis, si vous le voulez bien. Moi, j'y suis pour rien du tout. Alors, nous allons parler, et j'ai fait exprès de mettre une vignette un peu particulière avec un code. J'ai dit. Alors, le j'ai dit va pas parler à beaucoup d'entre vous, mais va parler à une certaine caste de personnes. Donc, volontairement, je dis j'ai dit. Comme ça, on me comprendra pour ceux qui doivent comprendre. En parallèle, alors on va retourner voir les bouquins, hein, parce qu'il se passe quelque chose avec l'article dit le 4. Bien évidemment, pour la 100 pour sûr, je vous en ai parlé depuis très longtemps, si vous allez voir dans mes vidéos il y a 2 ans en arrière. Je vous avais déjà parlé de cette période dans laquelle on rentre. Aussi, il faut que je vous représente des livres qui sont pour moi très importants. Alors ici, nous avons ma Bible de l'herboristerie, collection Le Duc de Michel Pierre et de Caroline Gaillet, un livre, un ex, je vous l'ai présenté moult fois, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux, qui est présenté par Pathologie, d'accord, et il vous explique comment vous aider, hein, tout simplement, par rapport à certaines pathologies. Ce que je vous encourage, les amis, c'est à vous le procurer, parce que ça m'étonnerait pas. Ils ont eu des problèmes à un moment donné, il avait 100 points surait, voilà, à une époque. Donc Michel Pierre, c'est quelqu'un qui s'est battu, c'est un herboriste de renom sur Paris, hein, mais qui s'est battu contre la peste aux étoiles à plusieurs reprises. Bon, son livre était ressorti, ça fait partie pour moi des incontournables, d'accord. Donc je vous conseille d'avoir dans vos bibliothèques. Allons-y gaiement par rapport à j'ai dit. Alors, je ne vais pas vous donner exactement la signification du code parce que ça fait partie de certains cercles de pouvoir. Ceci dit, nous allons parler de la li.berté.d'exprès.sion. Vous commencez à comprendre de quoi on va parler aujourd'hui, voir où jusqu'où on va aller. Le pacte hier des Louves, ça vous a beaucoup plu, j'ai vu. Voilà, donc nous rentrons dans quelque chose de mon rôle à titre personnel, mais aussi d'autres personnes comme Agnès Sarraud, ça va être justement de vous apporter un soutien, hein, c'est notre rôle de vous soutenir, de vous apporter de la légèreté. Alors je peux comprendre, les amis, qu'il y ait des gens qui nous apprécient pas ou qui m'apprécient pas à titre personnel, ça ne me dérange pas, c'est la vie, heureusement. Mais si c'est pour marquer des choses pas très cool, c'est dehors, hein, immédiatement. Ça n'a rien à faire sur la chaîne. Je vous rappelle que j'essaie de lire tous les messages pour être en tranquillité. Voilà. Alors, j'ai pris aujourd'hui donc ce jeu-là, le tarot de Marseille par Kevan, by Kevan, exactement, c'est marqué, aux collections Le Lotus et l'Éléphant. C'est un jeu que j'ai reçu gratuitement, je tiens à vous le dire. Alors, j'ai reçu des cadeaux en parallèle. Donc, je ferai ce soir une vidéo
Concernant les cadeaux à l'apéro, d'accord, pour rigoler, passer un échange, voyez-vous, c'est très très important pour moi d'échanger et de vous amener d'autres choses. Hein, voilà, on ne fait pas toujours la même chose sur ma chaîne Chris Sinclair Show, d'accord. Donc ce sera à 18h, on échangera sur le sujet, mais ce sera un moment de détente, hein, bien sûr, d'accord. Voilà. Alors, hop, allons-y gaiement. Alors, vous m'avez posé aussi la question, savoir comment j'avais fait pour perdre du poids. Mais justement, j'en parlerai ce soir sur la chaîne Chris Sinclair Show. D'accord? Par la même occasion, je ferai tout ça. Allons-y gaiement concernant cette liberté, point, point, d'expression. D'accord? Attendez, on va mettre comme ça. Donc, carte majeure, carte mineure. Je mets deux cartes majeures. Je rappelle que le tarot se lit dans son entièreté. Point barre. Voilà. Alors, dites-moi. Hop. Dites-moi. Voilà. Je rajoute un autre. Qu'est-ce qui va se produire? Maintenant, je prends les cartes majeures que je vais mélanger avec les cartes mineures. Voilà. Voilà. Donc, dites-moi exactement. Hop. Voilà. Allons-y gaiement. Alors, on fait le tirage. Vous voyez, je tire devant vous les cartes. Elles ne sont pas tirées d'avance. D'accord. Dites-moi. Il y a des fois, j'ai des réponses surprenantes. Bon, écoutez, on fait avec, hein. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cette liberté, point, point, d'expression. Alors, pourquoi je dis comme ça? Parce que sur YouYo, les choses s'accélèrent concernant la 100 pour sur. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Voilà. C'est un petit peu pour ça que j'ai créé aussi ma deuxième chaîne quelque part, enfin quelque part parce que on a voulu me faire des soucis. Donc j'ai dit, bah après tout, alors moi comme je suis une battante, je suis pas du tout une nana à se lamenter sur son sort, bien au contraire. Bon, au plus vous me faites des crasses, au plus ça motive. Voyez-vous? Voilà. Alors dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cette liberté. Alors, c'est pour ça que le terme j'ai dit a une comment dirais-je, a une vertu, si vous voulez, significative pour les cercles de pouvoir. Et ceux-ci reconnaîtront ce que je suis en train de faire et de dire. D'accord? Donc, ces gens-là, s'ils veulent me contacter par mail, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, j'ai eu un week-end très riche en boulot, hein, mais ça, vous le savez déjà. Et puis, hier soir, j'ai fait l'apéro avec mon amie Eliane, que vous connaissez déjà, qui est coiffeuse. Je vous ai présenté sur la chaîne Chris Sinclair Show. Changement radical d'un groupe, une décision. Oula, qui vient de l'international. Bon, il y a une décision qui va être prise au niveau des bouquins et compagnie. Donc, je vous encourage, les amis, à faire très attention. Si vous devez acheter des bouquins, c'est le moment. D'accord? Parce qu'il y a une décision qui va être prise au niveau de la peste aux étoiles. Je vous dirais qui va être costaud. Voilà, qui va être costaud concernant les régions, concernant les Franchouillards, notre beau pays et compagnie. J'ai vu sur l'ancien oiseau bleu, vous voyez ce que je veux, de quoi je veux parler, que monsieur posait des questions tout à fait intelligentes. Comment un seul individu peut prétendre, peut faire des choses sans nous demander notre consentement et que tout le monde laisse faire? Je rappelle que toutes les gens qui sont à l'Assemblée dite nationale, je vous dirais, touche un beau chèque de temps en temps pour cela, pour faire la boîte au fromage. Fermer la boîte à fromage. D'accord? Voilà. Donc, ici, donc, il y a bien quelque chose qui vient de l'international
par rapport à ça pour nous imposer un changement et comme étiqueter les gens, leur mettre un triangle comme dans les années 40 avec des couleurs. J'ai pas parlé d'une certaine étoile, je parle des triangles, hein, bien évidemment, qui étaient utilisés à l'époque. Alors ici, donc nous avons l'Ursulette. Oula. Qui veut prendre une décision de nous liqui.dd. Vous entendez bien? De nous liqui.dd, de nous museu.lélé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà, avec une création. Mais la création apparemment ne se fait pas pour l'instant, mais elle désire à tout jamais qu'on soit simplement des gueux. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Alors là, c'est bien décidé. Alors vous allez me dire, Chris, mais pourquoi personne n'agit, personne ne réagit? Si personne ne réagit, c'est parce que chacun pense à sa pomme, tout simplement. Alors c'est pas un reproche, mais c'est une réalité, voyez-vous. Et au niveau de l'UTES, si vous voulez, ceux qui montent les DD PPTT ou les Sénats qui ne sont plus à l'heure, je vous dirais, ils ont la trouille, ils ont une trouille, mais ils devront rendre des comptes. J'ai vu également, alors c'est sur une chaîne anglaise, quelque chose qui est paru vraiment incroyable sur une chaîne, hein, tout simplement. La première sinistrose du Royaume-Uni, d'accord, est allée sur un plateau et il y a un monsieur écossais qui lui a demandé des comptes concernant les problèmes de la potion, d'accord, concernant l'apéro, la potion. Voilà, les retours négatifs par rapport à cela, et l'autre s'est complètement défaussé. Alors chez nous c'est pas encore là, mais c'est pour ça qu'ils font des legis.fr, si vous voulez, actuellement avec l'article dit le 4, pour les empêcher d'être dans la tourmente. Vous avez pu remarquer que le véreux revient en force actuellement dans sa débit.lité. Écoutez, c'est pas fini cela. Mais concernant le Royaume-Uni, mais beaucoup de pays, les gens commencent à se lâcher concernant ce qui s'est passé avec le coco. Mais là, de toute façon, le but, c'est de fermer la boîte à fromage de tous les franchouillards. Alors, en ce qui nous concerne, mais les autres pays, c'est la même chose, hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Il y a la fin d'un cycle. Pour moi, si vous voulez, il va y avoir des désaccords de plus en plus profonds entre le briqueton, notre chose nationale avec sa chose briquette, et les autres pays de la peste aux étoiles. D'accord? Il va y avoir des désaccords profonds. L'autre va se prendre, il va se prendre, comment vous dirais-je, il va faire Icare, voyez-vous, il va mettre des ailes, il va s'envoler et compagnie en pensant qu'il est le roi du monde, mais il va être remis à sa place par les autres pays qui vont refuser, parce que le nôtre, c'est un dictat, hein, il n'y a pas à tortiller, ils vont refuser. D'accord? Je fais appel à ces cercles, excusez-moi les amis, j'insiste sur le sujet pour vous rappeler le sens de l'arrêt dite publique. Vous l'avez peut-être oublié sur les 3 points. Voilà. Il faudrait peut-être se réveiller. Excusez-moi les amis, hein, mais il y a des codes que je dois donner. Donc, le but n'arrive pas dans un premier temps, c'est-à-dire que leur façon de voir le projet de la folle du régiment là-haut, à la peste aux étoiles, ouais, c'est vraiment une frappe à dingue, mais j'arrête pas de le dire, donc voilà. Donc, il y aura par la suite un oh là, oh là, oh là. Ils vont tenter, alors, l'Ursulette, si on n'accepte pas ce qu'elle dit, vous savez, Artum bicyclette! D'accord, elle va tenter d'arriver en nous imposant les choses. D'accord, en nous imposant, mais ça ne marchera pas. Ou elle va menacer les pays s'ils n'acceptent pas que voilà, ben on y est, hein, que vous le vouliez ou pas. Là, c'est clair. Donc, encore une fois, les lobes.bi n'ont pas la force nécessaire
Attendez, non, non, non. Ils vont tenter d'agir sur le plan professionnel. Excusez-moi. Ah, d'accord. Ils vont s'adresser au maître qui n'a plus d'œuf, notamment pour tous ceux qui dirigent leur boîte. Si vous voulez, ils vont leur faire miroiter des choses. Ceux qui, les qui ont du R ou qui n'ont plus de R, comme vous voulez, ils vont tenter de les amadouer en leur parlant de certaines choses qui ne fonctionnera pas. Je vous rappelle ce que je vous avais dit à l'époque, et donc je réitère mes propos, à savoir que tout redémarrera des régions ou des villes. Voyez-vous, ça va redémarrer par là, et l'UTS finira comme un un bouchon de champagne, boum! Parce que le problème, il est là-bas. Il est dirigé par là-bas et il faut absolument que ça vole en éclats. Remarquez, je dirais à l'UTES, ils sont en train, vous savez, les journaleux écolo-bobo, voyez-vous, gaucho-chaud-chaud-chaud, voilà, tout ça, ils sont en train de se révéler complètement dans la dicta qu'ils voulaient mettre en place. Nous avons le diable qui est bien ici, donc qui ressort du monde des gens dont je viens de vous exprimer les choses. Et nous avons effectivement, à un moment donné, alors c'est pas pour tout de suite, je vous ai dit, hein, ils vont faire bêtise sur bêtise sur bêtise, ou ça va voler en éclats de toute façon. Voilà, c'est comme s'il y avait d'un seul coup un exorcisme qui était fait sur place, d'accord, et on les envoie tous péter, mais c'est pas pour tout de suite, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire pourquoi crise? Parce que personne ne bouge. Vous savez, quand vous avez Bricaton qui veut absolument vendre nos mili-pointer, vous l'avez entendu, comme moi, d'accord? À l'étranger, c'est que c'est grave, docteur. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous avons par rapport à ça? D'accord. Alors, je peux, concernant, j'ai dit, donc, pour la liberté dite d'expression, je vous dirai qu'il y a des choses qui vont se passer en sous-main, ben, comme toujours dans ces cas-là, hein. Donc, on ne les écoutera plus, même au niveau local, je vois qu'on ne les écoutera plus, et il y a des choses qui vont se faire en sous-main et se passer en sous-main. D'accord? Donc, il y a comme s'il y avait deux mondes qui se créaient, si vous voulez, un peu comme durant les années dites 40, d'accord, où il y avait une résiste-point-tendance, voilà, et ben c'était ça. C'est compliqué pour moi de m'exprimer vraiment. Donc ici, il y a quelque chose qui ne sera pas. Donc leur système en finalité, j'ai bien dit in fine, hein, d'accord, ne se produira pas, ils ne pourront pas faire taire la populace et leur système de dictat ne marchera pas. Prise de décision par les lobes.bi, alors le rocher noir, vous voyez ce que je veux dire, le roi qui n'a plus de shield, enfin tous ces gens-là, hein, les mecs qui savent et compagnie, vont tenter de continuer leur dictat. Je vous rappelle qu'une bonne partie des mecs qui savent, vous savez, c'est la fameuse officine, sont en relation, ils donnent déjà des ordres au mili-pointer. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai dit. Non, là, j'ai mis une action. Oh, fructification, attendez. D'accord, décision dans le. Bon, ben, décision. Ah oui, l'autre pomme. Alors, il va être va-t'en, point, point, gué, point, re. D'accord, il va être comme ça l'autre pomme. Ben, comme l'histoire du coco, vous vous rappelez, ben, il va nous faire le même coup de semonce. En fait, il va se mettre en avant pour tout le monde, c'est-à-dire l'eau pointée, point A, point N, la peste aux étoiles et tout le monde. Et ben, bien sûr, on va le voir en avant puisqu'il adore ça, les commémorations. Ça, c'est une évidence. Et le monde, ah oui, il va vouloir. Il va arriver avec quelque chose d'assez formel, voyez-vous. Voilà. Mais Français, vous m'avez compris. On a bien compris ce que tu voulais faire et que tu voulais mettre à mal toute la populace dit Franchouillarde et semer le chaos de partout. Voilà.
Alors maintenant, ces gens-là, je parle du Brigaton et des autres pommes, vont se déclarer comme nos pires ennemis de la populace. Oh punaise. Oh punaise. Mais là, j'ai quelque chose qui ne marchera pas, hein, de toute façon, du côté de ce qu'il veut faire l'autre pignoufle. Excusez-moi, il faut l'appeler comme ça. Donc ça ne passera pas parce que il va dire oui, vous devez aller sur le front. Voilà, et puis les fronts, ben, on n'ira pas du tout. Parce que les gens n'ont rien à péter de lui, vraiment. S'ils savaient ce qu'on en pense, voilà. Alors le véreux qui revient là pour faire son cinéma de frappe, pas, voilà, il frappe dans le dur, lui. Je vous dirais sincèrement, il se croit revenir en disant, oui, je vais m'imposer par la boîte à fromage, mais la boîte à fromage va sentir tellement mauvais qu'il va se recevoir une bonne ch'touille. Oui, sur son beau visage, bien évidemment. Alors, ici, nous avons un projet qui n'aboutit pas. Donc ils vont vouloir faire taire les gens, mais ils n'y arriveront pas. Les lobes.bi n'y arriveront pas dans un projet qui se déclare bien sûr des lobes.bi qui sont à la manœuvre, d'accord, derrière le Brigaton pour lui dire tu fais ci, tu fais ça et compagnie, tu as tous les pouvoirs. Je me rappelle quand il avait été élu, une Marisol, ça vous parle du temps de la moule de Hollande? Voilà, lui avait dit c'est bon, maintenant tu peux faire ce que tu veux, c'est ce qu'elle avait dit à Brigaton. Voilà, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc il faut renverser la table. Ben, ce n'est pas le moment encore, mais il faudra. D'accord? Donc au niveau, c'est ce que je vous expliquais, au niveau des régions, d'accord, ils vont tenter de ponctionner encore plus les régions parce que l'autre, il va donner le pognon de partout, sauf à nous. Voilà, il y a quelque chose de caché là. Il y a quelque chose de caché. Alors, au niveau des régions, ils n'en parlent pas, mais apparemment, ça discute entre eux pour les faire tomber l'autre pivoine. Alors, je vous parle des régions, je vous parle dans un premier temps de ma région. Je sais que ça cause beaucoup dans le dos du Bricaton, un certain Laurent. Voilà. Est-ce que je pense du mal de lui? Non. Moi, je vous le dis sincèrement, hein, voilà, parce que je vois ce qu'il a fait pour notre région, c'est très bien fait. Enfin, après, chacun pense ce qu'il veut, hein, voilà. Mais je ne vais pas vous mentir en vous racontant des bêtises. Donc, au niveau des régions, il va y avoir des problèmes au niveau financier, c'est-à-dire que l'autre pivoine, au lieu de donner aux régions l'argent qui leur revient, il va le donner aux ailes qui n'ont plus de ski, hein, je vous l'annonce clairement. Il y a une volonté, il y a une action qui va se produire par rapport au lob.bi. Voilà, tout ça, pourquoi ils veulent engager tout ça, c'est pour nous mettre à plat, mais vraiment à plat, et pour recréer un autre système où nous serons en esclavage. Voilà, bon, écoutez, c'est dit. Communication. Ah ben de tous ces sbires qui vont arriver pour nous fermer. Alors il y a des décisions qui vont être prises au niveau de la peste aux étoiles pour nous interdire de lire, de chanter, de nous exprimer, de nous voir dans nos familles et compagnie. À vous de dire non et de faire ce que vous voulez. C'est ce que je vous dirai qu'il faut faire et le restant, vous n'en avez rien à battre. C'est ce que je fais également. D'accord? Voilà. Donc, ils vont tenter, ils veulent vous prendre vos sous pour que vous ne puissiez pas vous contacter. En fait, ce qu'ils veulent refaire, c'est le climat qu'il y avait au 19e. Il ne faut pas l'oublier. D'accord, le projet. Non, alors là, je peux vous annoncer que clairement, la populace, là, ça ne sera pas rien à battre du tout. Et là, ils vont. En fait, si vous voulez, maintenant, comme il s'est rendu compte, l'autre pomme, qu'on ne peut plus faire taire les gens, je pense à nos amis de la Terre, qui étaient sur Besançon, au moins hier, enfin, je ne sais pas aujourd'hui. Je vous dirais, et comme ils savent que ça va exploser de toute façon, donc ils veulent passer au-dessus, c'est pour ça que le but avec le zèle qui n'a plus de ski, c'est cela, si vous voulez, pour arriver à chez nous, ils en ont rien à foutre du personnage, ce qu'ils veulent c'est créer un système de con.fli, mais ils n'y arriveront pas. Donc au niveau de j'ai dit et au niveau de la 100 pour sûr,
je vous dirai qu'à la finalité, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je peux vous l'annoncer ici. Donc les lobes.bi, ils auront la tête en l'envers. Le briquetant dira à la Mayoche, on y va. Et puis il risque d'être seul sur son cheval de frappadingue. D'accord, et là les gens ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. De toute façon, les autres pays vont être pas contents de ce qui est en train de se... Ils sont pas contents déjà. Voilà, j'ai la rupture. D'accord, j'ai la rupture. Avec les provinces, c'est une rupture totale. Ben là, vous l'avez là. Donc, si vous voulez continuer à vivre votre bonhomme de chemin, restez dans votre droiture personnelle, vous en fichez sur le sujet. Il y a... D'accord. Ouais, apparemment, les deux, l'avorton et puis la vieille folle là-haut, ça marchera pas. D'accord, ça marchera pas du tout, donc on panique pas. Donc à l'arrivée, mais par contre il y a certains livres, dont ceux que je vous présente, si vous les voulez, c'est le moment, parce que je sais qu'ils vont tenter. Enfin, Pierre Hervé est un grand herboriste, donc à Paris. Je pense qu'il a toujours, alors c'était au Palais Royal, je crois qu'il avait sa boutique. Et il a beaucoup lutté, alors je sais pas s'il l'a toujours ou non, mais je vous dirai qu'il n'y arrivera pas. Bon, qu'ils n'arriveront pas à le faire taire. Mais ils ont voulu le... Parce que c'est quelqu'un de très très compétent, hein, vraiment. Donc, des projets qui n'aboutissent pas concernant la populace, il y a une tentative de s'en prendre. Alors là, j'ai plutôt dans le sens... que les gens se déplacent et compagnie, trouvaient toujours des problèmes sur problèmes. Mais là, je peux vous annoncer qu'ils n'arriveront pas au bout, parce que nous retrouvons, alors là, c'est dans le temps, hein, c'est pas tout de suite, mais nous retrouverons, les amis, une finalité positive qui sera dans quelques années, je vous l'accorde, mais qui se fera. Voilà. Gros bisous tendres et on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures et sur ma chaîne Chris Sinclair Show, où nous parlerons des cadeaux à l'apéro, ce que j'ai reçu, bien évidemment. Bye, bisous. We'll be right back.